Les résultats statistiques comporteront nécessairement la part de l'action entreprise qui a bénéficié ou qui a concerné les femmes. C'est pourquoi, pour ce mois de la femme, mois de mars, nous attendons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Cela doit passer par l'implication de la femme congolaise dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire des produits de base. Nous espérons par la suite que pour chaque ménage, nous aurons pour devise un ménage, un champ. Il ne s'agira pas d'un simple slogan, ni d'un simple discours, mais d'un réel engagement à cultiver notre terre tant fertile pour nous procurer la nourriture nécessaire pour notre vie et celle de nos familles. À l'occasion de l'ouverture des activités de ce mois de mars, dénommé mois de la femme, je vous exhorte et je vous souhaite un excellent mois avec les activités que nous avons prévues à cet effet. Nous avons le programme, nous avons fait l'activité que nous avons prévue pour ce mois de femme. J'exhorte les femmes à se mettre au travail pour que nous puissions avoir un lendemain meilleur. Nous avons une activité qui va commencer demain. Nous avons des deux aujourd'hui, c'est vrai, par la messe. Mais nous avons une activité demain, nous allons au champ. Vous savez que le Premier ministre a décrété tous les premiers samedis du mois comme journée de salubrité dans les administrations, dans les maisons, pourquoi pas dans les quartiers. Et nous, nous avons pensé comme nous sommes là au début du mois de mars et nous avons besoin d'un samedi qui se trouve être demain le 2. Donc nous, toutes les femmes, nous devrons aller, nous avons un champ communautaire à Tambouma. Donc nous allons justement pour aller mettre, nous allons faire notre